Bonjour Minou. Salut Croquette. Il te reste du lait ? Ouais. Merci. T'as pas été suivi ? Ah non, mais je me suis fait peur. Hein. Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière moi. Je me suis retourné, je mets un coup de patte comme ça. Et en fait, c'était ma queue. Miaou ! De quoi ? Non, je disais. Miaou ! Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, parlons peu, mais parlons bien. Si on veut dominer le monde, il faut qu'on attaque les États-Unis pour prendre possession de leur arsenal nucléaire. Ouais. On va faire ça le 13 juillet, ce sera la finale de la Coupe du Monde, personne ne se méfiera. Ah merde, ça veut dire qu'on verra pas le match ? Ah j'adore moi le foot à la télé, j'essaye d'attraper le ballon comme ça derrière l'écran avec ma patte, je trouve ça hyper rigolo. On peut pas faire ça, je sais pas moi, à la miaou ? Ah ! Moi, elle n'aurait pas applaudi, mais bon. Ah, purée, Croquette. Non, mais tu préfères regarder le foot ou prendre le contrôle de l'humanité ? T'as raison, mon minou. Bon, concrètement, comment on fait pour attaquer un pays ? Bon, c'est très simple. Ouais. Tu te rappelles quand du cochon d'Inde, là, du petit Julien ? Ouais, le cochon d'Inde qui était tombé par la fenêtre ? Ouais, voilà. On l'avait attaqué par derrière en lui mettant des coups de patte, comme ça. Ouais. Ouais, c'est tombé. Bon, bah, c'est très simple. Pour les États-Unis, c'est la même chose. Ah ouais, on attend qu'ils tombent par la fenêtre. Ouais, puis tu leur mets des grands coups de patte, comme ça. Ok. Mais d'abord, il faut qu'on fasse un état de nos troupes. Ouais, donc, pour notre mission de domination des chats dans le monde, il y a toi, Minou, il y a moi, Croquette. On a Félix, on a Shere Khan, on a Tigrou. Attends. Tigrou, c'est pas un chat en peluche ? Si. Il est hyper ressemblant, ça peut servir. Et on a Pastel également, la petite chatte là du bout de la rue. Ah non, c'est beaucoup trop dangereux. Ouais, t'as peur qu'elle tienne pas le choc ? Non, mais j'ai peur qu'on soit amené à faire des jeux de mots pourris. Ah ouais. Comme les Américains vont nous défoncer la chatte, c'est ça ? Ouais, par exemple. Tu m'as l'air pensif. Non, c'est pas ça, mais j'ai un autre jeu de mots avec Pastel. Ah, t'as peur que Pastel s'en mêle les crayons ? Ah, tu l'avais aussi ? Ah bon, et puis pour finir, on a Edgar également. Ah oh, putain, ça craint. Quoi ? Ah non, j'ai encore un jeu de mots. Ouais. Edgar du Nord ? Ouais. Ah, Edgar de Lyon, mais c'est pareil. Ouais. Bon, enfin bon, toujours est-il qu'Edgar est un chat persan. Il y a un jeu de mots là ? Non. Ah, bon. Bon, alors vas-y, finis ta phrase. Ah mais elle est finie. Edgar est un chat persan. Ouais, mais persan quoi ? Persan rien du tout, c'est un chat persan, tu comprends pas ? Ah oui, non, d'accord, c'est du verlan, il a pas de père, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça, il a pas de père. Ah, le pauvre. Pas de père, pas de repère. Hein. Ouais, il est repersant. Bon, donc au total, nous sommes 7 chats, dont un en peluche. J'ai l'impression que ça va faire un peu léger pour attaquer les États-Unis. Ouais, c'est clair, faudrait qu'on soit au moins 3 ou 4 en peluche. En plus, les chats. Faudrait qu'on soit 3 ou 4 en... Et en plus, en moins. Faut qu'on... Tout ce qui est en plus, en moins. Ouais, ceux qui sont en plus. Faudrait qu'il y en ait moins en plus. En vrai. Ouais. En plus. Et plus en vrai. C'est... En fait, faudrait que. Parce que là, on est 7 chats. Ouais. Plus 1. Plus 1 en plus. En plus, mais il faudrait qu'on soit plus. Moins en plus. Parce que plus. Ouais. Plus par plus. Plus par fait moins par plus. Et dis donc, ton pote Grisby, il peut pas intégrer notre armée ? Non, Grisby, c'est un chat noir, il va nous porter la poisse. Ah ouais, t'as raison. Bon, faut absolument qu'on arrive à dominer le monde. Ça me stresse cette histoire, je peux utiliser tes toilettes ? Ouais, vas-y, pas de problème. Merci, mon minou. Hey, tu peux tourner la tête, ça me gêne. Ouais, pardon. Bon. Quand on aura pris le contrôle de la Maison Blanche, il faut qu'on fasse une revendication, une vidéo de revendication dans laquelle on dit que c'est nous qui décident. Ouais, mais faut faire gaffe. Il y a une taupe à la Maison Blanche. Merde, on a été dénoncé ? Non, il y a une vraie taupe dans le jardin. Faut qu'on fasse gaffe à pas se casser la gueule dans les trous. Ouais.
Ouais, d'autant que les Américains vont nous balancer une cinquantaine de chars, mais là j'ai une idée, on va mettre Tigrou face aux chars. Les chars vont avancer et Tigrou il va pas bouger, puisqu'il est en pluche. Ah ouais, ouais. Il va devenir le symbole de la résistance féline dans le monde entier. Ouais, il va les intimider parce qu'ils vont avancer, ils vont voir qu'ils bougent pas, ça va les, ouais, les déstabiliser. Ou alors il va se faire écraser. Ouais, c'est possible. Et là ils diront, il y a en moins. Et nous on dira, ah ben non, en pluche. Ouais, mon minou. Bon, moi aussi, il faut que j'aille aux toilettes. Ouais. Dis donc, croquettes, ouais. Elles sont à quoi, tes croquettes? Ce sont des croquettes bio, pourquoi? Ah non, pour rien. Ouais, je sais pas comme... Ouais, je fais ça comme ça. Ouais, tiens, je vais foutre un petit peu là. C'est vrai. Dis donc. Ouais. Tu sais, moi j'aime bien toujours réfléchir un petit peu quand je suis en train de faire pipi. Ouais. Et là, je suis en train de me dire, notre vidéo de revendication, personne va la voir. Mais si. Si, faut qu'à la fin de la vidéo, on se casse la gueule. Les gens adorent les vidéos de chats qui se cassent la gueule sur YouTube. Ah putain, bien joué. Mais ouais, on va répéter la chute. Monte sur la table. Tu montes sur le bureau. Tu te mets à quatre pattes. Ouais, tu joues avec ta queue. L'autre. Et en jouant avec ta queue, tu te casses la gueule. Ça va faire des millions de vues, ça. Super, à toi. Ouais. Vas-y, monte sur la table. Ouais. Ah, voilà. Et là, avec tes pattes, là, tu fais comme si tu prenais de l'élan. Ouais. Et tu sautes sur le pupitre de Bruno Guillon. Ouais. Et en fait, t'arrives pas jusqu'au bout. Tu te casses la gueule au milieu et tu t'écrases comme une herbe. Ouais. Vas-y, prends bien ton élan comme ça. Ouais. Et tu sais, quand t'es en l'air avant de tomber, tu peux faire semblant de patiner dans le vide, comme dans les dessins animés. Ah ouais. Et tu regardes en dessous en faisant une petite moue, genre... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Allez, vas-y, saute. Donc là, jusqu'au pupitre de Bruno. Ouais, ouais. Ok. Ok. Ok, parce que c'est un petit peu mouillé, alors j'ai peur que je dérape. C'est le but du jeu. Ou alors, on laisse tomber les États-Unis, on continue à rien foutre de nos journées. Ouais, t'as raison, c'est peut-être plus prudent. Ouais. Ben et Arnaud de sa mère. Les chats vont-ils dominer le monde? Ça va les garçons, vous avez pas trop chaud? Non, à peine. Ça se passe bien, c'est un truc que vous pouvez garder vraiment en plus dans la vie de tous les jours. Ouais. Ben et Arnaud de sa mère, c'était votre septième passage en duo. On va découvrir donc les notes pour votre duo. On va commencer avec Marie-Pascale Austerite. je vois le regard de Ben qui... Non, pas du tout. Non, ce sont les moustaches qui font ça. Ah. c'est pas mon préféré. Je trouve ça sympa. Je trouve qu'il y avait un peu des lenteurs, qu'il y avait ça manquait un peu de rythme, mais il y avait des très bonnes choses. Je trouvais ça un peu irrégulier. Donc, je vous aime bien, vous êtes formidables. Il y a comme d'habitude des trouvailles, il y a des choses vraiment amusantes. Mais voilà, est-ce que c'est moi qui suis fatiguée ou est-ce que c'est la chaleur? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai trouvé que ça manquait un peu de rythme et qu'il y avait besoin d'un peu de resserrement dans le sketch. Donc, je vous ai mis 14. 14. OK. Et en même temps, avoir des chaleurs sur un sketch sur les chats, c'est un peu raccord. Grégoire Furrer. Ouais, bah moi, je suis tellement bon client. Moi, je suis tellement fan que j'oublie un peu des fois de regarder les petites imperfections. Je trouve que c'est bourré d'idées, que c'est super bien écrit, c'est génialement interprété. Enfin, voilà, vous êtes dans votre univers. Moi, j'adore ce genre de sketch. C'est de l'humour absurde, c'est tout ce que j'aime. Après, oui, c'était un petit peu long, je suis d'accord. Il y avait peut-être la chute et peut-être un peu c'est peut-être pas extraordinaire. Et puis, on vous a vu faire des trucs mieux. Mais moi, j'ai passé un très bon moment. Donc, je vous ai mis 16. 16 pour Grégoire. Laurent Thibault. C'est vrai qu'on n'est pas déçu de vous voir, au contraire, déjà habillé de cette manière-là. Vous avez peut-être péché par gourmandise, donc trop long, et vous êtes peut-être un peu moins amusé que je l'aurais pensé. Il y avait tous les ingrédients pour que ça puisse partir un petit peu en sucette, un terme technique, de vous surprendre tous les deux, et c'est vrai que vous êtes un petit peu resté sage. Voilà, c'est peut-être la chose que je vous reproche, que vous aviez tout, là, vous avez tous les ingrédients pour que voilà, ça parte en feu d'artifice, mais voilà, je vous adore tous les deux, il y a aucun problème, je vous ai mis un 15. 15 pour Laurent Thibault, les garçons.
Oui, Bruno. Il faudra vraiment que vous regardiez l'émission au moment de sa diffusion, parce que cet arrêt caméra sur vous deux, habillés en chat, sans réaction, en train de... C'est du bonheur, vraiment. Ça peut s'encadrer et être mis dans un salon, hein, vraiment. Parfait. C'est une carrière, après, qui se joue après tout ça, les garçons. On va finir avec Stéphanie Bataille. Moi, je les adore séparément, donc les avoir ensemble, c'était formidable. Simplement, je trouve que vous aviez vraiment une âme d'enfant, je trouve, au début. Et puis ensuite, on le perd. Je trouve que vous vous amusiez moins. Ouais. Vous auriez pu encore aller beaucoup plus loin. On avait l'impression que vous aviez envie, puis tout d'un coup, vous vous reteniez d'aller plus loin. Non, je me trompe. Non, mais ce que disait Laurent et ce que tu dis, ouais. Stéphanie, il est vrai, c'est qu'on ne s'est pas amusé comme non. On s'amuse d'hab sur nos sketchs. Et du coup, quand on a des costumes de lapin sur le dos, ça fait un peu... Ça fait bizarre si on s'amuse pas. Et je crois que c'est la clé du truc, c'est qu'on sait pas à un moment vous donné. Êtes pas, oui, vous n'êtes pas assez amusé. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Je sais pas pourquoi on s'est pas amusé, parce qu'on a bah, beaucoup c'est le amusé. Contexte quoi, la crise. c'est pas tout le temps évident d'avoir la... parce que c'était pas drôle. Mais merci quand même pour votre folie, donc pour ça. Mais je vous ai mis 14. Merci. Ce qui nous donne un global des notes de jury de 59. Si on rajoute à cela la note que vous a attribuée le public, dont ne demande qu'à en rire. On découvre votre note, les garçons, Arnaud et Ben. Vous obtenez la note de... 16. Merci beaucoup, public. Et donc un total de 75. Heureusement que je les aurais pas empêchés. Pardon ? Heureusement qu'ils ont eu 75, je les aurais jamais repêchés. Jamais de la vie. Quoi. Dès qu'on ne demande qu'à en rire, retrouvez vos humoristes préférés, les sketchs cultes et les nouveaux, les vidéos exclusives, les coulisses. Alors abonnez-vous.